Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah. C'est faire les éloges d'Allah avec les attributs les plus parfaits, ainsi qu'avec ses actions qui tournent entre la bonté et la justice. Il a donc des éloges les plus complètes, et ceci sur tous les aspects. Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers, c'est celui qui éduque tous les êtres vivants en les créant et en leur préparant des moyens et en leur octroyant des grands bienfaits que s'ils les perdent, il ne leur serait possible de rester en vie. Tout ce qu'ils ont comme bienfait provient donc d'Allah le Très-Haut. Et la façon dont il éduque ses créatures est de deux sortes, une générale et une spécifique. La générale, c'est d'avoir créé les créatures et de leur avoir donné subsistance et de les avoir guidées vers ce qui est bien pour eux, qui leur permet de vivre sur terre. La spécifique, l'éducation de ses alliés, qu'il éduque avec la foi, en les guidant vers elle, et en la leur parfaisant, et en repoussant tous les obstacles et éléments qui pourraient les en éloigner. Et l'essence de cette éducation, c'est de les faire parvenir tout ce qu'il y a de bien, et de les préserver de tout ce qu'il y a de mal. Et c'est peut-être cela le secret, qui est que la plupart des invocations des prophètes se font avec le mot « Seigneur ». Car toutes leurs demandes dépendent de sa seigneurie, qui leur est spécifique. Donc sa parole, Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers, prouve qu'il est le seul à créer et à gérer et à donner des bienfaits, et prouve sa parfaite richesse, et que toutes les créatures ont besoin de lui, et cela sur tous les aspects.